temps d'annoncer le dernier de nos mini-défis menant au jour de la Terre. Nous voulions d'abord souligner que ce projet à thème environnemental a été inspiré par un défi qui nous a été lancé. Par trois élèves de l'école secondaire de la Rivière des Français. Pour cette raison, nous nous sommes rendus à RDF pour que Brigitte, Sarah et Julie te lancent le quatrième défi. À raison de la Journée de la Terre la semaine prochaine, Animation culturelle nous a lancé plusieurs mini-défis pour nous rendre conscients de notre impact écologique personnel. Durant ces réflexions, on est rendu compte que la crise environnementale n'est pas issue d'un gros problème à résoudre. C'est plutôt l'accumulation de petits gestes quotidiens. Cette semaine, Animation culturelle 2.0 nous demande de passer à l'action. Notre défi, c'est de s'engager à changer une de ces habitudes nocives. Pense à ton quotidien. Pense à quelque chose que tu fais légalement qui a un impact négatif sur la planète. Et engage-toi à changer cette habitude pour le bien de la Terre. Partage-nous ton engagement sur Facebook en complétant la phrase suivante. Dorénavant, à place de faire ça, je vais faire ça. Chaque réponse d'un élève vaut 100 points jusqu'à un maximum de 1500 points. Wow! Cette semaine seulement, pour célébrer la finale des défis de la Terre, nous allons doubler les points mérités par les élèves. Doublé! Chaque soumission d'un élève mérite 200 points, jusqu'à un maximum de 3000 points par école. Doublé! Doublé! 200 points si la direction participe et 300 points si presque la moitié du personnel participe. Vous avez jusqu'à la Journée de la Terre, mercredi le 22 avril, pour soumettre vos engagements. Bon défi! Ha 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 ha!